Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pratique dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer votre gouttière anti-bruxisme. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai besoin de me faire de nouvelles gouttières car je suis parti en vacances en oubliant d'emporter mes gouttières. Heureusement, j'avais un kit de gouttières standard, thermoformable, et donc j'ai été obligé de me refaire des gouttières car je souffre moi-même de bruxisme nocturne suite à une opération chirurgicale faite il y a quelques années. Et donc, je vais vous montrer exactement comment on fait montre en main. Cela ne prend que quelques minutes. Simplement, il suffit d'acheter du bon matériel. Vous trouvez ça sur Internet. Donc, envoyez-moi un mail et je vous dirai quelles sont les meilleures marques que je recommande. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Roulier, ostéopathe, posturologue, praticien et formateur en santé durable. Et donc, je fais des vidéos utiles sur la santé naturelle et la santé durable. Donc, si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien ci-dessous. Alors, voici la première manière d'adapter parfaitement à votre dentition ce kit de gouttière de relaxation. Alors, vous commencez par faire bouillir de l'eau. Vous mettez votre gouttière dedans et lorsque ça va bouillir, eh bien vous la retirez. Voilà, on va laisser bouillir tranquillement. Vous la prenez, vous la mettez ici. Vous attendez quelques secondes qu'elle refroidisse et vous allez l'appliquer directement sur vos dents. Et voilà, vous avez une gouttière parfaitement adaptée à vos dents. Voilà, vous voyez. Il n'y a plus qu'à la mettre directement en position pour la nuit. Et à partir de maintenant, vous arrêterez d'user vos dents. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est commencer par une gouttière du haut. Et dans un deuxième temps, vous faites une gouttière du bas. Donc, tout d'abord, l'avantage, c'est qu'il n'y aura aucun frottement entre les dents, ni entre les dents et la prothèse du haut. Et deuxièmement, ça vous écartera un peu plus les mâchoires. Et ainsi, vous aurez des muscles des mâchoires beaucoup plus décontractés, car allongés, donc détendus. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions à me poser, écrivez-moi. Vous avez mes coordonnées. contact@guiroulier-formation.fr Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.